Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard Media now là, depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Premier ministre haïtien Joseph Jout visite local office protection civile là dans Boudon et puis il y a annoncé l'état acheté espace là pour fonctionnement institution. Et nous voulons faire qu'on est ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural pays là, by 14 tracteurs agricoles avec direction départementale agricole non pays là. C'est information ça nous porter pour si c'est premier fois visiter nos informations nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Bombard Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard Media Now là. Et bien nous pas perdre temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Pour moi, je dis en tant que premier ministre, pour moi, dans le local, au PC. C'est vrai. Pendant plusieurs postes que j'ai occupé, j'ai toujours eu contact avec le protecteur du citoyen, mais je dis à, c'est un honneur, j'aime ça dire tout à l'heure, c'est une belle occasion de venir avec lui, c'est une visite d'évaluation, j'aime dire là, une visite de courtoisie aussi, parce que j'étais bien content de rencontrer le Jodia. On a abordé plusieurs sujets d'actualité, et je pensais que moi-même avec lui, nous sommes sur la même longueur d'onde. Et dans la conversation que j'ai eu avec le président de la République, Latour, il était content pile le fait que nous avons fini là. Et bon, Jean Dinouan nous a abordé plusieurs questions, et parmi lesquelles, non seulement le problème que vous pouvez gagner pour fonctionner, mais tout apprendre nous que Kaela Kounia, c'est pour le PCG, du parent locataire, et nous acheter Kaela, le gouvernement. A consenti un sacrifice pour acheter la maison. Nous sommes gardés là, gagner et réaménagement pour nous faire la donner. Gagner besoin pour que vous gagner pour que nous abîmions sur le plus vite possible. Gagner diverses correspondances que vous puissiez écrire, diverses situations que vous dénoncez, nous parlons sur vous. Mais nous parlons tous sur. Grâce présidentielle qui fait là, mais on connaît que les questions pour le poser sur lui. Nous abordons, et nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons ça au sérieux. Non seulement les recommandations des diverses organisations qui travaillent dans le droit monde, mais tout profiter de saluer avec un peu de respect. Le gouvernement entendait tout ça, tout rapport que vous faites, nous prenons en compte. Et nous continuons à investiguer sur ça pour nous investiguer. Et bien, l'autre tour, si il y a des rives qui sont là-dedans, le gouvernement saura et prendre les dispositions nécessaires pour corriger tout ça qui est pour corriger. Et pas bien, tout le monde qui fait erreur, l'erreur fait, nous consentons ça, mais tout, pour gagner le monde qui prend responsabilité. Ça veut dire, et un petit mot, il y a trois mots. Je tout fini même gens, bon, même pas. C'est nomination, c'est révocation, c'est démission. C'est-à-dire, l'observe en société, il y a des bagages ou faire, et il faut qu'on endosse ses responsabilités. Il faut faire mes culpa ou et il faut qu'on choisisse. Il y a un mot ça, avec dit, si il y a des autres qui font, dans la dernière décision, qui prennent au niveau gouvernement, eh bien, il y a un monde qui a payé pour ça. Lors font bêtise, lors c'est responsable font bêtise, c'est ou démissionner ou bien révoquer. C'est comme ça. C'est nature sociale. Raconte ça, que visite ça que le Premier ministre fait pour faire dans le local OPC matin là. Ça rentre dans le cadre de relations fonctionnelles que OPC en tant qu'institution étatique, mais une institution qui a un statut indépendant, doit gagner avec les autres structures étatiques. Donc, nous sommes une institution indépendante qui est créée par la Constitution de 1987 là, suite et au départ de M. Duvalier en 1986, et la Constitution 87 là, avec caractère démocratique que le gagné, il était estimé pour que nous une institution indépendante qui l'a pour veiller au respect et à la protection des droits humains. Donc, OPC, c'est une institution qui est indépendante, mais qui l'a pour lui développer des relations fonctionnelles
avec toute l'autre structure qui est dans l'État. Et OPC tourne dans l'attribution, il est là pour attirer l'attention du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sur des cas de violation des droits humains et recommander autour des solutions appropriées. C'est dans ce sens ça que matin là, dans tête à tête que nous avons avec le Premier ministre, nous abordons surtout la question de la justice, nous abordons des questions de grâce présidentielle là, nous abordons des situations au niveau des prisons, nous abordons également la situation des droits économiques, sociaux et culturels. Et le Premier ministre fait connaître qu'il est très sensible pour que nous mettions beaucoup plus accent sur les droits économiques, sociaux et culturels qui sont très souvent négligés. En Haïti, on a toujours tendance à avoir seulement les droits civils et politiques, mais au niveau de l'OPC, et le Premier ministre a attiré l'attention sur ça, il voit que il y a une nécessité dans le contexte côté que nous avons vu aujourd'hui, avec la pandémie, avec la pauvreté, avec le dollar la cap monté, il y a une nécessité pour que nous mettions beaucoup plus accent sur les droits économiques, sociaux et culturels dans l'intérêt de la population. Nous recevons l'autre acteur qui va permettre cette catégorie-là pour un élan. Et nous passons à savoir que je dis à ce secteur la parcours. En plus de difficultés, en plus de problèmes. Mais en dépit des difficultés que nous avons, il y a des gens qui peuvent chercher quand même ce qu'ils ont fait. Parce que nous connaissons, je dis à tout ce qui a mangé sorti parce qu'il y a des Dominicains et Miami. Et qui sont honte pour nous-mêmes comme peuple. Qui d'accord consommer vraiment que ça. Donc, Captac Villao, c'est Captac même qui vient pour permettre à l'agriculture qu'on est là dans le département. Donc, ce n'est pas des tracteurs qui viennent pour voter bas un monde, ce n'est pas des tracteurs qui viennent pour satisfaire une clientèliste politique, c'est des tracteurs qui vont être attachés à Bibo, à Gol Communal, et c'est des bureaux de proximité qui vont permettre à l'agriculture de faire un service. Donc, c'est la raison que nous faisons la matin, c'est pour nous partager l'information sur le grand public là, pour qu'on ait que ce qui a été fait, nous ne pouvons pas être parmi tous les grands jours, parce que ce qui a fait violence, c'est d'accord qui est d'intérêt collectivité et un intérêt tout agriculteur. Nous recevons un lot de tracteurs agricoles qui plus passent une quinzaine pendant le président vous et plus passer 45 dans Nord-Est pour nous commencer. Mettez pour promesses de campagne en application. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Parce que son lait pour nous commencer et volonté à être là, mais contrainte ont été empêchées, président République là. N'a pas dit monde qui était quoi, non président, mettez-nous au pouvoir, continuez quoi. Parce que pays ça, bon petit clic qui est l'oligarchie. Vous pensez que pays a son pays privé, c'est pas un lieu. Mais bataille, président République la menée, son bataille pour que bien pays a réparti à tout petit pays a sans distinction quelle que soit appartenance politique. Je dis à pour moi même nan comme délégué départemental, son privilège immense pour paysans, yo, pour agriculteurs, pour nous capables de relancer l'agriculture dans nord. Parce que c'est Raphaël qui est un pilier, je dis à quant à ce présent moment dans la question agriculture. Il n'y a pas le recevoir plus passer 7 tracteurs agricoles pour permettre à ce que les terres irriguées soient capables de jouer un service. Et il y a une bagaille technique qui est très importante. N'a pas dit moun nan nord, n'a pas dit moun Saint-Raphaël en particulier. Matériel si là, le tracteur si là, il n'y a pas de droit de déplacer. Il n'y a pas de droit de déplacer sans aucune autorisation formelle. Parce que je dis à la développement endogène, c'est sous lui pour nous compter. Parce que avec la pandémie, nous avons l'autre compréhension sur la géopolitique qui montre nous clair comme pays, comme peuple, c'est nous qui travaillons pour nous faire petite nous manger, pour nous faire population nous manger. Nous ne devons pas compter sur peuple, sur personne. Nous devons compter sur force pour être nous, sur courage nous, sur ça nous gagnons. Dans ce sens, moi-même, comme délégué départemental, moi déjà, ben, instruction à directeur départemental là, pour permettre à ce que
tracteur si là yo qui ont pas un service bien privé ou c'est pas yon politicien vers eux qui prend tracteur à monopoliser et puis peuple là pas qu'à joindre service tant que président exige ti reste c'est pour peuple là. Moi bien content tracteur au vini et Jean ou te dire la président moi espérer tracteur engrais pour permettre mon même travail pour que même yo capable mettre l'argent dans poche. Dans arrondissement Jean-M. Sodoulia, il y a une quantité de tracteurs qui est au nombre de 7, mais qui t'a supposé plus, parce que ce n'est pas seul terre irrigué, tracteur ça va même pas le charité. Tracteur ça qui là, c'est des tracteurs qui l'ont directement pour te irriguer. Ça veut dire qu'on a pas besoin de l'autre tracteur pour permettre de sécher eux-mêmes le charité. C'est un bagage que nous-mêmes, nous pas de qu'on nous ouais et qui fait dans Saint-Raphaël, et côté que. Moun Jean vice délégation dia c'est avec bœuf que on était toujours à laboraité. Et bien nous te fait demande auprès du président de la République et côté que nous te demandé on a fait de 10 tracteurs. Mais il te fait commande parce que pas de gagné, il te voulait un spécimen. Spécimen ça nous te là, nous t'a utilisé et nous te belle réponse que il te bien travail. Et c'est pour ça nous te dit on a besoin de 10 encore et bien c'est notre objectif ça que lui-même il voyait actuellement et cette tracteur et pour mon et Saint-Raphaël et nous capable dit tracteur ça rentrer dans cadre et promesse que président lui-même il était fait l'être il t'a fait campagne et il toujours a dit ça parce que c'est un président qui a une volonté qui a une détermination quoi que lui-même il est capable de rencontrer il rencontrer en pile difficulté en pile obstacle et pendant passage lui sous pouvoir mais lui toujours campé, lui tient à ce que tout ça aurait été dit à qu'il était mieux. Et bien c'est ça que fait jour d'aujourd'hui. Et que mon Saint-Raphaël, par rapport à toute périphérie que nous connaissons, c'est pas moi-même qui a dit nous, parce que nous tous nous sommes là ensemble avec nous, tout le monde, mon campagne, nous venons de voir la campagne. Pour que pour le département Nord, tout autre Saint-Raphaël par Vini, pour nous capables de mettre force nous ensemble, pour nous forcer le gouvernement à quitter là, pour nous capables de faire l'élection, et bien, pas bien ça a les recettes. Avec Saint-Raphaël de jouer un gros rôle dans l'affaire élection pour que le président soit capable de vivre là. Et ça fait, je vous dis aujourd'hui, le président lui-même était pour mettre que depuis qu'il y a un soleil, il y a de l'eau, et gagner monde, gagner terre, et bien, la capable de mettre l'argent dans la poche et les peuples haïtiens, la capable de mettre manger dans l'assiette. Ça n'a pas voulu dire, le président a dit ça, c'est l'argent qu'il a pas prendre et en personne, en chair et en os, dans la poche, lui, puis capable de fourrer dans la poche au monde, ni lui-même, plus que cuite manger, lui, puis marcher séparé, mais c'est par rapport à terre que nous-mêmes nous gagnons, et qu'on est ensemble de besoins que nous-mêmes nous avons pour nous capables de faire terre produit. Parce que, regardez, depuis sous président, dans la fille, que l'agriculture nous a lui-même commencé pour un coup, à cause des bagailles du riz qui t'a pas importé, du riz on t'a fait venir en d'un pays, il y a du riz Miami, quand que nous connaissons tout ça que nous avons fait, c'était bagaille du riz, et puis l'agriculture a lui-même mis à zéro. Mais dans ce sens, je vous dis que nous-mêmes, nous venons là et pour nous capables de récupérer. Et ensemble de tracteurs sahéo que nous avons fait demande auprès du président de la République pour nous capables de mener au bas de Saint-Raphaël et pour compenser votre que vous-même et vous êtes baillé. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.